Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Edouard Laventure, Ernest Moloscotte pour les grands dossiers d'actualité. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan González, assisté comme d'habitude par notre collaborateur Abner Gelin Diabnadji. C'est un plaisir, nous, avec auditeurs, nous, et téléspectateurs qui suivent nous partout à travers le monde. Il y a plus le côté. C'est la journée que l'on y a là. Parfois, c'est la nuit. Gémoun, c'est dormi, abdomi. Gémoun, c'est levé, à lever pour aller travailler. Rappelez-nous, nous sous chaîne télévision Panouan, HPM, Asian Public Media. L'équipe en question, je veux parler de Juan González, Abnedji, Moloscott. Nous sommes équipe qui l'a au service de la communauté. Et c'est pour cela, rôle nous, c'est informer nous. Jeudi, c'est 16 octobre 2019. Et nous invitez nous, s'il vous plaît, pour nous subscribe. C'est important, parce que ça prend le bon accès. Les nabbaï nouvelles, ou pas besoin de tirer de l'autre côté, de pour subscribe, et puis de pour, ou on est, petit cloche là, ou cliquer là-dedans, de puis nous monter. N'importe le monté à, ou à recevoir signalant, ou à recevoir message là, et avec ça, pas bon information qu'on a perdu. C'est pour cela, nous invitons tout le monde, commencez à subscribe, et ça prend le bail garanti que HPM l'ila caillou. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir, nous sommes en Équateur, une situation vraiment terrible, côté que population, ils ont décidé eux-mêmes, ils ont parlé d'élection. Et gouvernement, il a annoncé, il a pas tombé dans l'armée encore. Il a dit que le moment est difficile pour nous. Nous bataillons, nous mettons le gouvernement à terre, et bien dans le moment, nous sommes obligés d'unifier nous. Élection, peuple pral obligé respecter la loi et n'a pas agi en présence de la loi. Mais n'a pas dit qu'en Équateur, ça qui vient dominer l'actualité, c'est que tu as un régime militaire qui au même qui était sur place côté que nèg sa yo nan corruption c'est par millions nèg yo fait kobyo et la majorité comme ça il déposé yo dans l'autre banque dans l'autre pays. C'est pour cela population mandé pour yo arrêter monsieur Sayo, juger yo et prendre tout bien yo. Depuis matin, un bien gen une délégation qui au même qui entrait en Équateur. Qui dans information qui rejoignent gagnent des autorités militaires qui possédaient plus que 120 millions de dollars pral sous vraiment 500 millions de dollars gagnent un simple militaire. Eh bien c'est pas un seul, c'est plusieurs qui laguaient quoi dans la corruption. C'est pour cela l'autre bail de la justice en Équateur pour yo capable bloquer à 40 sa yo et comme sa yo pral à la portée de peuple en Équateur. Population dit comme ça que yo même yo ka comprendre ça ka privé a mais yo même yo besoin changement. Dans même sens ça yo dit si tellement de corruption yo pas ka fin comprendre ça mais bien sa yo pral rete pour peuple en Équateur. Dans mon appel là, il y a fond budget. Côté que il y a des villes qui ont pral reconstruit. Il y a deux côtés qu'on y a là, dans cob que monsieur te déposé la banque yo, eh bien l'autre pays yo pas veut remettre cob ça yo. Yo dit que son cob que monsieur te déposé à condition même quand pays a besoin, la justice a fait chemin. Il faut que M. Sayo, yo fin juge yo, condamne yo, même quand est-ce que yo jwenn 25% nan kob que M. te vole nan pays ya, eh bien la bon pour pays Équateur. N'ap tombe nan Colombie. Côté que nan Colombie, yo parle encore une fois de corruption. Drogue la a fait chemin. Gen yon équipe cartel qui yo même, c'est des millions de dollars que monsieur fait, eh bien, il a utilisé tous les moyens, ZAM, drogue, COB,
Mais chance que Colombie gagnait, c'est que yo parlé de yon nan moun qui yo pas jamais lié, c'est Pablo Escobar. D'après information peuple nan Colombie en bay, yo dit comme ça que monsieur, c'est un élément que pays a te besoin même quand son drogue dealer. Mais monsieur te fait en pile bagay pour cartel côté que le TIA. Dans Medellin, côté que monsieur yo fait des millions, yo prend des jeunes, yo inscrit yo et la gue jeune sa yo nan tué moun, nan torturé moun. Gen pile autorité, gen pile juge dans Colombie qui t'est arrivé jeune la mort yo parce que Pablo Escobar t'est retrouvé dans monsieur Sayo, ce sont des éléments dangereux. Il dit que c'est millions que le fait par an le fait. Il dit que c'est un moment qui est difficile pour lui. C'est parce que l'État dans Colombie t'est bal possibilité à il t'est exploité. Il dit que me fait des millions, c'est parce que l'armée a été avec tout, parce que moi-même, moi t'ai gain zam nan même, moi j'ai tout moyen yo. Même pas chercher pour me venir criminel. C'est monsieur qui vient faire mon criminel. Pablo Escobar dit c'est face à humiliation que t'ai fait, yo t'ai fait qui fait que je dis à là, eh bien moi-même de côté pas c'est récit que le fait avant que le mouri. Nous connaissons que Facio était assassiné, monsieur. Eh bien, monsieur parlait, monsieur dit comme ça que il était plusieurs monde que lui-même il était obligé d'exécuter. Là, on t'a posé question à Pablo Escobar pour qui ça, gon prête ou t'es tué. Il dit comme ça que moi t'es fait assassiner prêtre là. C'est parce que le jour que malé dans l'église là prêtre là lui-même dit que l'a confessé et puis monsieur femme campé derrière rideau et puis prêtre là dans prêche que l'a bail là il dit que Pablo Escobar nous connaît que ou a fait ça passe dans pays là et que c'est un trafiquant de drogue cap vraiment fait jeune la guéo puis a fait des sacrifices tuer monde tuer juge et bien moi même m'a mando que pour passer à la conversion. Je demande que pour accepter Christ, pour qu'on ait que, ou même, ou son être humain, il faut capable comprendre que qui soit fait. Dans le même moment, prêtre la fin parler, et puis il dit à Pablo Escobar, m'abba ou s'entend sous, si que ou pas corrigé, eh bien, demain, si Dieu veut le prêtre Dieu pour vous, le soir même, Pablo Escobar décide et annoncer destin pas dans mes prêtres là et prêtre ça il pas obligé passer nuit là et puis Pablo Escobar prend cinq monsieur li ba l'ordre et bien pendant que prêtre là dans machine non cortège fusillé prêtre là et puis c'est dans moment que pendant prêtre là a traversé cinq monsieur paraît avec zamio yo criblé prêtre là en bas balle depuis lors dossier ça te vienne rété. Et c'est juste après la mort de Pablo Escobar, yo vinn comprendre pour qui ça que Pablo Escobar t'a tué prêtre colombien ça et qui jodi a la réussi à fait et bien il y a des données qui sorti que Pablo Escobar dit que et bien moi même de côté pas ton criminel, c'est yo cause que m'te vinn rivé dans point ça face à humiliation que m't'a connu, m'te obligé faire des sacrifices. Tu es presque la majorité homme politique. N'a pas continué pour auditeur, n'a pas tombé aux Indes. Côté que, aux Indes, dans le moment où on a parlé là, il y a fondé un développement nucléaire. Il a annoncé que aux Indes, c'est un pays dans le développement nucléaire que l'a fait là, il vient très dangereux. Il a dit que dans 50 pralvini là, si il a pas stop Inde, eh bien, Inde, Kavin, yon nan plus gros force nucléaire qui t'a existé sous planète là. Yo dit nan développement que Inde a fait qu'on y a là, yo étonné de façon jeune aux Indiens à travail. Et si yo quitte Inde passé comme ça, eh bien, je dis, on va parler de la Russie, on va parler de États-Unis, eh bien, sous pas entrer Inde dans le dossier ça, ou pas la donne. De même, yo parle jodi a tout de Afghanistan, de Pakistan,
côté que Drogla a fait chemin, et côté que M. Saoutou gagne des formations, études nucléaires qu'a fait, il a trouvé que bon bonne note monsieur qu'a sorti dans notre pays et mais qu'a prend formation et tout pays ça yo qu'a arrivé non point qui capable très terrible. N'a pas tombé dans une dans zone dans Moyen-Orient pour nous être capable dit à auditeur yo il y a plusieurs autres zones là qui paniquaient. On nous tombé surtout dans Turquie côté que président turc là pour lui-même le président américain monsieur Donald Trump t'a traité lui. Il dit que président Donald Trump t'a la gueyo de bras vides. Eh bien monsieur Aizisio annoncé un bien au même il pral frapper. Il dit que le président américain monsieur Donald Trump ouvert yon champ libre pour eux-mêmes. Pendant que les États-Unis t'a annoncé que li prêt pour supporter eh bien pour bataille contre Aizisio. Et c'est dans le même moment que le président américain, M. Donald Trump, fait un retrait de troupes li, côté que Kounyala, eh bien, monsieur en difficulté. La Russie, le président russe, M. Vladimir Poutine, sentit que son fierté pour lui, parce que président américain bali un champ libre. Le président Vladimir Poutine dit que son fierté pour lui, il prend la bataille. Pour que États-Unis pas jamais qu'à entrer encore dans zone ça. Et là que Vladimir Poutine dit ça, eh bien le pral mettait tous les moyens pour que les États-Unis perdent zone ça, zone qui gagnait des millions d'habitants et côté que le président américain monsieur Donald Trump qui t'a fait le nécessaire, montrer que la sécurité zone là, eh bien il a gagné tout peuple ça demain balancé. Pendant ce temps le président Bachar el-Assad, dans le contact que l'on a fait avec le président Iran, il y a pour parler là, une réunion qui a fait demain si de vœu entre les trois pays, l'Iran, la Turquie et puis la Syrie aussi, inclus le président russe, M. Vladimir Poutine, il a dit qu'il pourrait être ensemble pour être capable de montrer que son force dans le Moyen-Orient. Et pour combattre M. Aizisio. Pendant ce temps, le président américain, M. Donald Trump, il considéré comme une des plus gros hypocrites qui existait. Mais la présence de Donald Trump vient nous traite dans l'Isla, dans le Moyen-Orient et même en Europe. Là. Il dit que le président américain, M. Donald Trump, n'a pas un mot d'honneur. Le président Donald Trump, M. n'a relationné, M. montre que l'IPAP dirigé. Dans le même contexte, ça, n'a pas signalé à auditeur, Aizisio annoncé qu'il pral continuer à gagner contrôle pétrole yo, et qu'il pral arranger yo pour demander une autre structure. Donc on est que mesdames, yo, dès que côté que M. Aizisio y a là, sous occupation côté yo, yo pas vle mesdames, yo, sorti sans une couverture pour couvrir tête yo. Deux, te gon équipe mesdames qui te dit que yo décidé pour yo capable prendre volant. Monsieur Aizisio déclaré loi ça pral recommencer encore. Mesdames sa yo pas obligé gen deux maris. Yo obligé gon seul mari. Deux, tout garçon que t'a retrouvé qui nan homosexualité, monsieur Aizisio annoncé yo pral recommencer pan monsieur sa yo. 3. Mesdames Sayo, parfois même les hommes ou garçons, yo pas obligé di garçon que yo remèl que yo gon coup d'œil pour lui. Dès que yo ta arrivé dans point ça, monsieur Aizisio annoncé que yo pral fait moun Sayo passer dans peine qui capable plus dur. L'autre étape qui existait, Aizisio annoncé gagner des tas de choses que moun yo a adoré. Yo annoncé que affaire de moun kap adoré des tas de choses te coup des statues yo pas accepté ça n'importe moun ki ta ap adoré statue moun sa y a panni y a fusé yo dans même contexte ça c'est même équipe ça que le président américain monsieur Donald Trump eh bien retiré sécurité
que le peuple a été gagné pour être capable de fonctionner. Je vous dis, la population dit que les États-Unis font crime. Côté que le président américain, il retrouvait le temps qu'on criminel parce que il a retiré un droit que le peuple a été commencé à gagner. Et bien, je vous dis, le peuple a retourné dans l'esclavage. Il y a une base. Côté que il y a des jeunes qui ont même qui ont des camps. Et bien, jeunes, ça, ils sont obligés à montrer pour le jeu football et prendre la rue. Mais jeunes, ils disent que ils ne connaissent pas, ils ne pas vivre. Ils ne pas contre qui leur qui a mouru. C'est chaque jour à vivre, bombe à éclater notre bois, côté que pas de sécurité. Et ils disent merci à président Donald Trump pour ça qu'il fait à la côté que le mettait pays la Turquie, il mettait la Syrie. Eh bien, non problème côté président américain, il montre que le pas care de aucun monde que des têtes li. Mais je vous dis à tout, monsieur Turquio, monsieur Kedio, même de côté partout, yo dit que yo gen zam, y a bataille, yo par contre ça pral passer, mais nan jou kap vini yo là, yo même y a bien contrôle zone nan. Pendant ce temps, le président Vladimir Poutine annoncé. Eh bien, moins bien content. Moyen économique moins a continué. Moins gen pétrole qu'on y a là, mais contrôle pétrole, m'bral signer des contrats. Côté que m'pral aider des pays pas capables, m'a bayo encadrement, m'a bayo zam, et li vin trop tard pour les États-Unis d'Amérique. Le président américain, M. Donald Trump, li perd du contrôle zone. Nan moment actuel là, c'est moi-même, Vladimir Poutine, qui gagne. Alors, on bagaille que m'tap bataille pour lui, on bataille que me fait chaque jour nous nos situations n'a goumé n'a fait diplomatie et autres. Et bien je dis à le président américain monsieur Donald Trump, bon moi tout ça que me voulait, et d'après dernière information il annonçait que le bomb plus souvent la bombe plus toujours. N'a pas rappelé à auditeur que nous rappelons rencontre G20 côté que le président Donald Trump était rencontré avec le président Vladimir Poutine. Il y a un compte qui te paraît très bas parce que Vladimir Poutine, c'est lui qui a passé l'ordre à Donald Trump. C'est comme si que Donald Trump paraît un petit président devant Vladimir Poutine. Sa cause, c'est parce que un président que les États-Unis ballent en position, mais en position que le pas mérité. Et c'est pour cela que le président américain, M. Donald Trump, peuple américain dit, c'est un nan worst président que nous-mêmes, de côté pas nous, nous voter et qui vient sous pouvoir. Le président américain, M. Donald Trump, annoncé 2020, la deuxième mandat. Et il y a une rencontre que le président a fait. Côté que en pile moun préparé yo Donald Trump, est-ce que l'a réélu? Question 1, li nan men nous même haïtiens, est-ce que nous pral voter Donald Trump? Il y a des haïtiens que l'en parlé avec eux, yo di même sou tande tout ba k'ap parler là nous même, oh c'est nous pour doujan remen Donald Trump. Il y a d'autres haïtiens tout qui déclarent. Cher Donald Trump, tu m'as fait salver. Nous pas jamais lui-même, nous pas jamais supporter. Alors, le président américain, M. Donald Trump, longtemps, il reconnaît que le peuple haïtien, tu qu'on fait un bagaille, il pas fait encore. Président Donald Trump annonçait sous président Bush, t'es un bagay que Haïtien t'a fait. Piquette, campé devant consulat, la guerre qu'on a en Washington. Laisse ça, c'est pour te demander
le retour d'un président haïtien. Piquette à gauche, piquette à droite. Président, je veux une constatation, ça y est. Mais je dis, peuple haïtien vient si tellement senti que Donald Trump est fragile, il n'a pas parlé de piquette encore. Le président américain, M. Donald Trump, préparez-le. Que le Salvadorien, que le Haïtien, que le Mexicain, eh bien, il dit, programme migratoire là, il va le résoudre. Est-ce que la résoudre avant l'élection? C'est les millions qui intéressent le président américain. Je dis à Napédi, à chaque Haïtien, si il y a possibilité pour nous recommencer à problème à programme piquette nous, pas oublier. Parce que le président américain Donald Trump, il peut manifestation. Il peut peuple lever camper contre lui. Comme il dit que nous sommes peuple qui est grand, de très souvent, nous qu'on camper, nous manifester. Préparez-nous. Parce que dans le jour où là, le président américain, M. Donald Trump, a un problème avec impeachment là. Côté que plusieurs autorités américaines, dans le Sénat et dans le député, ont décidé pour impeach le président américain. Et le président dit, il n'est pas entré dans le dossier ça, dans la logique ça. N'a pas suivi les auditeurs. Si on a impeach le président Donald Trump, nous, Haïtiens, est-ce que nous sommes contents? Ou bien pas content. Est-ce que si président Donald Trump là, il est là, est-ce que nous sommes contents ou bien pas content? Réponse là dans main nous. Nous sur HPM et chaîne Public Média, voyez résultat pour nous, n'a publié et avec ça, n'a pas comprendre position la majorité haïtienne. Non pas. C'est Edouard L'Aventure Ernest Moloscott pour les grands dossiers de l'actualité. Rete branché, n'a pas le tombé en Haïti. Sur la table de contrôle, c'est Biwan Gonzalez. Assisté par notre collaborateur Abner Jelen Diabnadji. Je suis Edouard L'Aventure Ernest Moloscott pour les grands dossiers de l'actualité. Pour ce 16 octobre 2019. N'apprêtons en Haïti dans quelques instants.